Bonjour, Mathieu, champion d'ici. Keep it short, got a long thing. She was down when I said I pick her up. Run down, show where ain't nobody quick as us. She was well ahead game. J'ai commencé un peu par hasard, personne dans ma famille connaissait l'aviron. Ça a commencé en Aquitaine dans un tout petit club à Sainte-Foy-la-Grande. J'ai démarré à l'adolescence. En fait, j'ai fait une grosse poussée de croissance et ma mère, qui est médecin, m'a conseillé l'aviron pour renforcer mon dos. J'ai un rapport particulier au Pays Basque parce que j'y viens tous les étés voir ma famille depuis que je suis tout gamin. Donc quand j'ai quitté Toulouse, pour moi ça a été une évidence de me retrouver ici. J'y ai trouvé une identité, une reconnaissance par rapport à la structure, à l'omnisport, au rugby. Évidemment tout le monde connaît le rugby, mais on connaît aussi l'aviron parce que il me semble que c'est la section historique, celle qui a vraiment fondé le club. Et pour un sport comme le nôtre qui est peu médiatisé, c'est toujours un petit plus agréable. C'est un bassin qui est très sinueux, donc il faut bien le connaître. Par contre, on a la possibilité de faire des longues sorties d'une traite de 20 km et avec des conditions qui sont souvent bonnes parce qu'on est abrité, c'est souvent sympa. On a une grosse base de spécifiques quand même, donc tous les matins on monte sur l'eau, 20 km, ça fait 1h40, 1h45. Ça c'est l'eau quotidien. Ensuite, on va en salle l'après-midi, alors là on fait de la musculation, on va faire du cardio sur le rameur, on va faire de la préparation physique, du renforcement, etc. Parce qu'il y a quand même une grosse dominante physique dans notre sport qui n'est pas contournable aujourd'hui. Alors voilà un bateau d'aviron, il y a une place, donc on appelle ça un skiff, entièrement en matériaux composites, il est très léger, il fait à peu près 14 kg. Une coulisse dans des rails, des pieds fixes, c'est notre seul point fixe dans le bateau. Là on a cette grande aile en carbone qu'on appelle le portant, qui sert de support aux avirons qui vont nous permettre de propulser l'embarcation et de transmettre l'appui à la coque.